vos fichiers. Elle vient de s'échapper grâce à vous. Aïe. Emilia, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Garde, où sont les caméras de surveillance ici? Par ici, madame. Je vais m'assurer que cette garce paie pour ce qu'elle vient de faire. La victoire de Diego à l'élection est encore loin d'être acquise. Attendez-vous à tous les coups pourris, inimaginables de la part des Ardiente. Ils se battront jusqu'à la mort pour conserver tout ce qu'ils possèdent. Patron, par quel miracle Arnaldo pourrait-il encore réussir à gagner? Il est devenu complètement cinglé. Beaucoup de gens ont perdu la raison après avoir été élus ici. Ce qui ne les a jamais empêchés de se faire réélire. En revanche, qu'un cadavre se fasse élire, c'est impossible. Et c'est le sort qui pourrait attendre Diego si vous baissiez la garde. Alors protégez-le. Vous devez tout donner pour le protéger. Ça doit être votre seule et unique préoccupation. Il est impératif que je puisse prendre en main les affaires d'Ardiente. Et la seule manière d'y arriver, c'est que Diego remporte ces élections. Il faut à tout prix qu'il remporte ce scrutin. Madrigal, tu seras mes yeux et mes oreilles pour ce qui concerne Diego. Assure-toi bien que rien ne puisse lui arriver, ou sinon, je t'en tiendrai responsable. Et tu le paieras au prix fort. J'en suis conscient, patron. Et je comprends. J'ai comme l'impression qu'il n'y a aucune image exploitable montrant l'incident, madame. Ceux qui ont fait ça avaient manifestement tout prévu. Ils devaient connaître les angles morts des caméras et également comment éviter la sécurité. Il n'y a aucune preuve permettant d'impliquer Ivy Aguas, madame. Je suis désolé, madame. Arnaldo. Arnaldo, qu'est-ce que tu fabriques dans un chien? Arnaldo, je t'en prie, viens par ici, s'il te plaît. Arnaldo, regarde-moi, c'est grand-père. Viens ici, tu dois prendre tes cachets. Allez, enfin c'est moi, Julio. Approche-toi. Viens prendre ton traitement, c'est bien. Allez, mon grand, s'il te plaît. Voilà. Prends tes cachets. Ils te feront du bien. Arnaldo, ça suffit. Arnaldo, tu n'es pas fou, est-ce que tu m'entends? Jamais je ne te laisserai perdre la tête. J'ai fait de toi un dieu, mon petit, et j'en fais le serment. Je ne te laisserai pas détruire ce que j'ai mis tant d'années à bâtir pour toi, Arnaldo. Arnaldo, est-ce que... S'il te plaît, est-ce que seulement tu m'entends? Y. Ah. 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 Y. Ah.
I V Y A G U A S I V Y A G U A S. Arrête, arrête. Arrête, arrête, Arnaldo. Je sais que tu vas revenir. Tout est ma faute. J'ai... Tout est ma faute. Oh. S. G. U. A. S. Pitié. Arrête. Sois maudit, ami. Sois maudite, Ivy Angoisse. Pour tu, Ivy. Tu vas me le payer cher, ça, Ivy. Qu'est-ce que tu as fait, garçon? Je t'assure que tu vas me le payer, Ivy. Tu vas me le payer très cher. Lily. Je suis quasiment certaine que les Ardiente ont déjà prévu un moyen de te réduire au silence, maman. Ils ne me font absolument pas peur, crois-moi. Et je ne compte pas me cacher derrière toi, d'accord? Écoute, Lily, tu ne dois pas retourner à Ardiente. Désormais, c'est à mon tour de me dresser contre eux. Fais-moi confiance. Je t'en supplie, rentre et oublie ça. Non, maman, je regrette. Et c'est en restant aux côtés des Ardiente que je serai le plus à même d'assurer ta protection. Monsieur le maire, je vous ai apporté de quoi manger. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ! Madame Ardiente ! Madame Ardiente ! Madame Ardiente ! Arnaldo ! Ah ! Mon Dieu, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Ah ! Ah ! C'est une tragédie ! Ah ! Arnaldo! Arnaldo! Oh, oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Où est-il? Aidez-moi! Arnaldo! Par pitié! Aidez-moi! Arnaldo! Arnaldo! Non! Non! Arnaldo! Non! Arnaldo! Réveille-toi! Réveille-toi, Arnaldo! Réveille-toi! Allez chercher de l'aide! Arnaldo! Par pitié, réponds! Arnaldo! Arnaldo! Non! Arnaldo! Arnaldo! Arnaldo!
Madame Aguas? Veuillez patienter ici, je vais prévenir monsieur le député. Est-ce qu'il y a un problème? Veuillez m'excuser. Regardez. Regardez ce qui est arrivé à Arnaldo. Regardez ce qui est arrivé à mon petit-fils. On l'a retrouvé pendu. Que mes paroles restent bien gravées. Tu connaîtras le même sort que Carlotta. J'en fais aujourd'hui le serment. Je te jure devant Dieu que je vais tellement te faire souffrir que tu finiras par choisir le suicide. Il s'est pendu, Ivy. Mon petit-fils s'est pendu. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Mon petit-fils adoré. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Qu'est-ce qu'il... Je n'ai pas une nature diabolique. Mais ta famille m'a transformée jusqu'à ce que je le devienne. Je me dois de mettre un terme à votre tyrannie, afin que plus jamais personne ne doive se soumettre à votre enfer. C'est la seule règle à laquelle j'obéis. Ne fais surtout jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Aucun homme respectable n'est jamais préparé. Jamais préparé à ce que la mort... à ce que la mort vienne un jour frapper à la chair de sa chair. Ivy, Arnaldo... Arnaldo vient d'être conduit à l'hôpital. Il est à l'hôpital, hein, en train de se battre pour pouvoir survivre. Arnaldo! Ne t'inquiète pas. Il va s'en sortir. Calme-toi. Où est le docteur? Docteur, c'est une urgence, vous devez sauver mon fils, je vous en supplie. Docteur! Vite, vite! Sauvez notre fils! Veuillez sortir. Arnaldo!
vérifier les constantes. Bien, docteur. Arnaldo! Alors Arnaldo est toujours vivant? Mais il se bat pour pouvoir survivre, est-ce que vous comprenez? Il lutte pour la vie! Tu sais, ma tante, même si je ne m'entendais pas toujours très bien avec Arnaldo, il reste mon fils et je compte tout faire pour le protéger. Nous devons garder espoir. Arnaldo est fort, il va s'en sortir. Hein? Toi! Emilia, non, non! Qu'est-ce qui te fait penser une seule seconde que je ne vais pas réussir à découvrir ce que tu caches? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Dégage! Je ne suis pas venue ici pour me battre, Emilia. Si je me suis déplacée, c'est pour Arnaldo. C'est toi qui as causé tout ça! Tu l'as abandonné! Et maintenant tu oses lui rendre visite? Alors là, tu ne manques pas d'air, hein? Sors d'ici! Fiche le camp! Dégage! Retire tes sales petites pattes! Emilia? Ne t'avise plus de t'approcher de mon fils! On n'en a pas fini, toi et moi! Arnaldo! Arnaldo! Non! Non! Arnaldo! Non! Arnaldo! Et on apprend à l'instant que Arnaldo Ardiente Torillo vient d'être transporté au centre médical. À l'heure qu'il est, aucune information n'a fuité quant aux raisons de l'hospitalisation en urgence du maire de la ville. La seule information qui soit certaine, c'est qu'il a bien été admis aujourd'hui même à 17h. D'après plusieurs témoignages, il semblerait que le maire n'était pas du tout conscient quand il a été admis aux urgences. Mais bien que... Je me demande quelle entourloupe ça nous cache ça encore. L'état de santé du maire, nombreux sont ceux qui d'ores et déjà se demandent s'il sera en mesure de maintenir sa candidature ou s'il devra renoncer à sa candidature. Je peux jurer que jamais je ne laisserai un vulgaire bâtard comme Diego oser s'imaginer qu'il puisse battre Arnaldo. Les Ardiente ont la victoire dans leur ADN. Un Ardiente ne meurt jamais. Un Ardiente ne connaît pas la défaite. Il ne peut non plus l'accepter. Cette pendaison aurait pu lui être fatale. Heureusement que vous avez pu intervenir à temps. J'aimerais le voir, docteur. Eh bien, il se trouve toujours en soins intensifs à l'heure qu'il est. Nous l'avons intubé pour qu'il puisse respirer. Nous allons procéder à quelques tests afin d'être sûr qu'il n'a pas subi de lésions susceptibles de laisser des séquelles irréversibles. Merci, docteur. Bien. Maintenant, si vous permettez. Merci beaucoup. Ce sont de bonnes nouvelles. Thank you.
voudrais que je fasse preuve de pitié, non? Mais sache que je n'éprouve pas une once de compassion à ton égard. Le simple fait de te voir me met en rage. Et puis... je revois toutes les saloperies que tu as faites à ceux que j'aime. Alors je veux que tu subisses tout ce qu'ils ont dû subir. Que tu éprouves dans ta chair toutes les souffrances qu'ils ont dû endurer. Et je veux rendre justice à toutes les familles que tu as ruinées. Mais je ne vais pas te laisser mourir trop vite. Parce que sinon, ce serait t'offrir un cadeau que tu ne mérites pas vraiment, Arnaldo. Je peux t'assurer que tu vas vivre. Je n'en ai pas fini avec toi. Et crois-moi, je n'en ai pas non plus terminé avec cette peste que représente ton clan, les Ardientes.